Desjardins est fier de contribuer à mettre en lumière les jeunes talents. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est le fun que vous soyez beaucoup. C'est très, très plaisant, très, très stressant. Je m'appelle Émile Bilodeau, j'ai 17 ans, mais je travaille très fort pour avoir 18 ans prochainement. Je viens du cégep Édouard-Montpetit à Longueuil et je vais vous chanter deux de mes compositions que j'ai écrites récemment. Une que j'ai écrite à mon entrée au cégep et une que j'ai écrite en secondaire 5. J'avais une belle intro musicale, mais vu qu'on a juste 10 minutes, je la ferai pas. Fait que si vous voulez entendre la musique, venez me voir après le show et je vais vous faire une intro cool. Alors, ça va comme ça, j'espère que vous allez aimer ça. C'est parti. Commence à faire fret, je me dis fuck off, puis tant pis. Parce que j'suis tellement bien dans mon lit avec ma guette, puis j'ai tout d'un coup le goût d'écrire une tune fuck stop. Ok, oui. Pour que quand j'te chante, tu puisses rire ou pleurer, puis tu puisses me rappeler le fait que tu me trouves hot. C'est fou comment nos projets glandent encore, puis c'est fou comment tous nos rêves planent dehors. C'est fou comment qu'à 17 ans, le vent vente fort, puis c'est fou comment toutes ces estiniaiseries-là peuvent prendre le bord, parce que le monde me tente pas quand j'ai ma blonde dans mes bras. Ouais, le refrain est un peu quétaine. Parce que la vie me semble tellement longue quand dans mon lit je pense à ma blonde. Ouais! Fait que je suis couché dans mon lit. Je suis couché, mais je ne suis pas abonné à la tranquillité d'esprit. Oh non, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a bien des dossiers qui me tracassent. Quand je suis en vélo, je mets pas de casse. Puis Dieu sait que je prends jamais l'autobus. Puis qu'en plus, j'ai bien des devoirs à faire. Puis des travaux à remettre. Je me dis que c'est loin d'être l'enfer. Première session au cégep. Mais mes amis rushent en Simonac. Puis moi, je suis juste en profil monde sans maths. Ça me donne tout le temps qu'il faut pour penser à mes idéaux. Ouais, je suis souverainiste, indépendant. Puis je suis un peu triste de temps en temps. Parce qu'au Québec, c'est un peu sec. On trouve que notre histoire est nice. Mais pas autant que Carey Price. Oh, oh, oh. Comme disait Pierre Falardeau un jour, la liberté n'est pas une marque de yogourt. Puis faut croire qu'au Québec, sans trop faire exprès, ces tensions entre bien sur le Yoplait. On est tellement bien assis sur notre cul à regarder la télé, nos séries, puis nous autres, on cherche pas le trouble. On sait pas tout à fait c'est quoi le concept d'un pays, mais nous autres, on écoute Occupation Double. Pala pala pam, pala pala papa. À chacun ses combats. Fait que je suis couché dans mon lit. Et puis je sais que t'es écœuré de m'entendre chialer, mais la tune est bientôt finie. On lâche pas à patate, mesdames et messieurs. Tu sais, dans le fond, là, je veux juste que tu saches que quand je prends une coupe de bière, puis que je feel un peu chaud, j'aime ça prendre un pas en arrière, puis regarder à quel point qu'on est beau. Puis quand je te vois, toi, puis ton corps, j'écoute chanter encore plus fort dans toute la sueur de ma joie, puis dans tout le bonheur de ta voix. Non, non. Ok, vous êtes fin, fait que vous méritez un solo de mouche. Tenir l'amour, c'est pas toujours évident. Y a des jours qu'on pense qu'on a fait le tour, puis y aura toujours des French un peu moins trippants. Tu m'as demandé d'être un homme, fait que j'ai pris quatre. Tu m'as demandé d'être un homme, fait que j'ai pris quatre bières en matin. Mais ça fait-tu de moi une bonne personne? Si moi et l'alcool, ça me fait rien. Mais t'es pas tout le temps là, puis sont longs les jours. Puis déjà en partant, les matins sont lourds. Puis tout le monde à l'école se juge d'un cours en attendant de peut-être tomber en amour. Fait que j'écoute Félix Leclerc pour genre me calmer les nerfs. Mais moi, pour vrai, mes souliers sont fatigués. Et
Moi, mes souliers sont fatigués. Oh, oh. Fait que je suis couché, conclusion, pour de vrai, pour de vrai. Je suis couché dans son lit. Je suis couché, pis ça fait une bonne trentaine de minutes qu'on est en train de s'aimer en maudit. Et parce que moi, le monde, au moins le monde, me tente pas. Quand j'ai ma blonde, quand j'ai ma blonde dans mes bras. Parce que la vie me semble tellement longue. Quand dans mon lit, je pense à ma blonde. Merci beaucoup. Merci. Ça fait genre 3 heures que je bois de l'eau, puis j'ai vraiment beaucoup envie, mais il me reste une toune. Je vais essayer de faire ça vite. OK. Alors, moi, mon idole de toujours, c'est un dénommé André Dédé Fortin. Et je me suis beaucoup inspiré de sa dernière, son dernier CD qui s'appelle « Dehors novembre » pour écrire ma prochaine chanson que j'ai écrite en secondaire 5 qui s'appelle « Dehors ». Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est pas toujours évident quand on est adolescent, de se lever le matin puis se dire « OK, je m'en vais à l'école », puis j'ai vraiment voulu transmettre mon message par cette chanson-là. Je sais pas si c'était concis ce que j'ai dit, mais j'espère que vous allez apprécier. Alors, ça va comme ça. On est beau, on est tous réunis dans un hangar d'avion, en train de regarder la relève québécoise ce soir. Et si la vie c'est de la marde, ben je l'ai fournie en laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, ben je trouve qu'on est un peu craintif. Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, faire comme tout le monde, avoir une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. Pa la pa pa pa. Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves. Y'en a des petits, y'en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque. Y'en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin. Un peu trop loin. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Ça fait un bon moment, en fait ça fait 2 mois. Sur une scène, je suis tellement bien devant 6 millions de gens. Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent. Je t'ai écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre. J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique. Fait que ça fait une couple de jours que j'ai de la misère à me coucher. Je suis tombé en amour, puis ça me fait un peu chier. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Riez pas. OK, c'est la conclusion. Merci beaucoup, vous étiez nice. Si la vie est heureuse, c'est parce que je l'aurais fait bien rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas bien beau, c'est un peu sale, on est-tu bien à Montréal? Une petite guitare, 2-3 pétards, pour moi c'est ça le monde idéal. Des décisions, des auditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration. Mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chauve, pour qu'on soit tout un peu déçus. J'ai rien contre les chauves, un peu déçus. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Merci beaucoup!